Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 58 de Dragon Age 2. Il est 15h18, on est le 24. Je croyais qu'elle avait un tout petit corps et une énorme tête, ça faisait super bizarre. De Dragon Age 2. Mon fond bleu est de plus en plus mieux. Ça se dit pas, de mieux en mieux surtout. Ouais, on va dire de mieux en mieux, c'est pas mal. Ah, j'enlève ma tronche. Ça pue là. Parchara, cessez de vous débattre, femme. Teta, Skarn. Larry Shack n'a donc pas réussi à vous capturer. C'est regrettable. Vous êtes que deux, les gars. Alors, voilà, le soleil qui revient. Putain, mais c'est quoi les stènes là, sérieux? Bon, tu vas direct le tanker, tu la bro direct. Voilà. Moi je m'occupe du petit. Tout seul. D'accord, il n'y en a pas qu'un petit. Bah écoute, tu vas te prendre une marque de la mort alors. Déjà cache. Et qu'est-ce que je peux te mettre dans la tronche pour l'instant? C'est quoi ça? Je suis tourné, super. Oh! On l'a vu, tout le monde est pas trop mal. Ah là, ok. Je vais me rapprocher des mages quand même, parce qu'ils en prennent plein la tronche. Voilà. Ils arrivent de par où? Par là. Encore? Ah non. Ça rêvasse. Oh non. Ah là, ça pue. Ça pue du cul. Ça. Ah. Ouais. Là, j'ai pas pu. Là, ça pue. Bon, Anders, ça du coup, tu vas te prendre direct. Voilà, oh la vache, ma vie. Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 58 de Dragon Age 2. Il est 15h18, on est le 24. Je croyais qu'elle avait un tout petit corps et une énorme tête, ça faisait super bizarre. De Dragon Age 2. Mon fond bleu est de plus en plus mieux. Ça se dit pas. De mieux en mieux, surtout. Ouais. Ouais, on va dire de mieux en mieux, c'est pas mal. Ah, j'enlève ma tronche. Ça pue, là. Parchara, cessez de vous débattre, femme. Teta, Skarn. Larry Shack n'a donc pas réussi à vous capturer. C'est regrettable. Vous êtes que deux, les gars. Alors, voilà, le soleil qui revient. Putain, mais c'est quoi les stènes là, sérieux? Bon, tu vas direct le tanker, tu la bro direct. Moi je m'occupe du petit. Tout seul. D'accord, il n'y en a pas qu'un petit. Mais écoute, tu vas te prendre une marque de la mort alors. Déjà cache. Et qu'est-ce que je peux te mettre dans la tronche pour l'instant? C'est quoi ça? Je suis tourné, super. Oh, on l'a vu, tout le monde est pas trop mal. Ah là, ok. Je vais me rapprocher des mages quand même, parce qu'ils en prennent plein la tronche. Bon, voilà.
Ils arrivent de par où? Par là. Encore? Ah non. Ça rêvasse. Oh, oh non. Ah là, ça pue. Ça pue du cul. Ça... Ah ouais. Là, j'ai pas pu... Là, ça pue. Bon. Ander. Ça, du coup, plutôt, tu vas te prendre direct. Voilà. Oh la vache, ma vie. Putain. Oh. Ah. Oh la violence. T'es qui toi? Je suis le chevalier capitaine Meredith. Ah bah merci. Je vous connais. Le nom Hawk revient souvent dans mes rapports. Trop souvent. Quelle chance de vous avoir trouvé, chevalier capitaine. Les Kunari sont en train de... Je sais bien ce qu'ils sont en train de faire. Les Kunari emmènent les villageois dans le donjon et ont dû prendre le contrôle de la cité. Nous devons nous en charger. Pourquoi le donjon? Évidemment, de toute façon, je suis d'accord, mais... Pourquoi le donjon? Pourquoi rassembler des otages? Pour réunir toutes les personnes importantes dans un seul endroit d'où ils peuvent les contrôler. Ou les exécuter. D'accord. Charmant. Eh ben, je vous aiderai, mais carrément. Je ferai n'importe quoi pour sauver ma cité. Ouais. Très bien. Vos talents nous seront précieux. Ah bah, j'ai mouillé. Rendez-vous au donjon, je vais tenter de rameuter mes hommes. Ces créatures vont payer pour leur outrage. Oh putain, c'est nous qui avons déclenché la guerre en plus, putain, la vache. Ah, tu reprends ça. Oh, j'ai pas pensé au chien. Ça fait, c'est pas, ça fait une petite force en plus, quoi. Tu fais ce que tu veux, toi. Toi, oui, de toute façon, t'as besoin de ça. Pardon. On F5, on F8. Voilà, F8, c'est ça. Voilà. Et on F1. On fait du F1. Question con, mais... Ah oui, d'accord. C'est fait. Bouclier. Eh, mais au fait, mais oui, mais tant. J'ai peut-être des trucs pour toi, au fait. Le bouclier. Non. 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 Bah non. D'accord, j'ai rien pour toi. Très bien. Bah, go, hein. Putain, je suis passé pas loin du trépas quand même, hein. Curative, ouais, il me faut de la curative, mais il me faut aussi de la blessure. Putain. Nécessaire de soins, voilà, c'est ça que je cherchais. Chaud. Ah, je peux pas. C'est quoi ce carnage? Normalement, on va faire un truc là, parce que je commence à... Voilà. Allez, venez un peu les gars là. Mais on prend plein la gueule. Ça, c'est un sort bourrin. Oh la vache. Oh non, merde! C'est sérieux, j'avais pas vu! Oh! Je suis votre pire cauchemar! Hop, 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 tu vas te calmer, toi? Vous allez apprendre à redouter les mâles! Alors,
Putain. C'est quoi, c'est mana insuffisant. Alors, toi déjà, tu vas te prendre sa cache. Wow, j'ai dit ça, tu te prends... Non, toi, t'as plus de vie. Tu te prends sa cache. Et toi... Voilà. Alors, tu vas te reprendre la marque. Putain. Merci. Mais de rien. Infiniment. Vous pouvez nous aider? Est-ce que ça va déjà? Vous ne semblez pas aussi mal en point que les autres. Les autres? Je ne peux pas croire qu'ils soient tous. Allez. Non. Qu'aviez-vous dans la tête, mon enfant? Je vous ai dit de les laisser m'emmener. Il fallait bien faire quelque chose. Nous ne pouvions pas. Ah oh putain, les boules, c'est trop bon de te revoir. Bah oui. Quelle joie de vous revoir ici. Ouais, c'est trop bon. C'est bon de... Bah oui. Content que vous soyez en sécurité. La ville est attaquée. Personne n'est en sécurité. Premier enchanteur Orsino, vous êtes vivant. Votre soulagement me va droit au cœur, chevalier capitaine. Capitani ? Pas le temps de bavarder. Nous devons riposter avant qu'il ne soit trop tard. Et qui va nous mener au combat ? Vous ? Je me battrai pour défendre ma cité comme je l'ai toujours fait. Pour la diriger, oui. Je ne risquerai pas nos vies pour satisfaire votre vanité. Je nous guiderai. Si c'est pour que vous passiez votre temps à vous bouffer le nez, c'est moi qui commande. Vous ? Mais vous n'êtes même pas d'ici. Et alors ? Pas plus que moi. Pourtant, cela ne vous gêne pas lorsqu'il s'agit de défendre notre cité. Très bien, dans ce cas. Quoi que vous décidiez, faites vite. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Alors, quel est notre plan d'action ? Éviter de se faire tuer. Au donjon. Cache. Il faut découvrir pourquoi ils prennent des otages. Bonne idée. Dépêchons-nous. Voilà. Allez, bam. Oh, Bethany, je suis trop content de la revoir. C'est cool. D'accord, ils sont 4, 8, d'accord, on est 10, quoi. Bah les mages déjà ils peuvent taper de loin. Une horde de Kunari est postée à l'entrée du donjon. Ouais. Alors ils s'en sont emparés. Ils ont prévu leur coup de longue date. Ça ne fait pas le moindre doute. Ah bah oui. On aurait peut-être dû prévoir nous aussi. Je ne vois aucun de mes gardes. C'est la seule entrée. Il faut les attaquer maintenant, avant qu'ils ne soient plus nombreux. Je suis d'accord. Avez-vous perdu la tête? Ils ont des otages. Il nous faut une diversion. Je suis d'accord aussi. Décidez-vous vite. Nous n'avons pas toute la journée. Oh bah, on l'attaque ou on fait diversion? On attaque. On ne peut pas risquer une diversion. Orsino. Assurez-vous que nous n'ayons pas de mauvaises surprises. Je vais y aller au cac. Diversion, ça me fait un peu chier. Alors, surtout que là, on a déjà... Ça m'embête parce que j'ai pas ma sœur avec moi. Donc, allez, on va commencer à les descendre petit à petit.
On va au cac. Toi, tu te prends la marque. Ah, je suis étourdi. Oh, putain. Bon, bah écoute, tu sais quoi faire, toi. J'arrive pas à te crever, c'est un truc de ouf avec Camille. Bon, en même temps, je m'amène au front à chaque fois. Donc là, on a suivi le plan du chevalier capitaine. Nous devons trouver le vicomte, et vite. Il y en a d'autres qui arrivent. Partez, on se charge d'eux. Très bien. Ok. Bon. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf, ce truc. Est-ce que... Putain, il y a du monde. Ah, mais merde. Au revoir à la caméra. Ouais, bah oui, on est allé un peu trop franco, pas de diversion, alors... Commandement du coon. Voilà. Du coup, Camille... Alors, F1, il est blessé. On va le soigner. Je pense jamais à mettre mon putain de chien. C'est pas mon putain de chien. Mon petit chien, quoi. Ok. Alors, on va y aller tranquille, hein. T'es sérieux, il est déjà mort. Oh putain. C'est quoi ce délire? Ah, le truc de ouf. Comment on s'est fait défoncer? Bon, on sait ce qui se passe. Donc on est toujours blessé. Ah, F1 toujours. On se déblesse. On enregistre. Et là, ça pue grave du cul. Alors, faut que je trouve où les pièges où ils ont été mis. Puisque là, avec Aveline, c'est déjà là, c'est super. T'occupe de lui, voilà. Du coup, qui c'est qui est monté? Faut que tu... Va ici, toi, du coup. Affaire de groupe, et puis... Camille, tu bloques là. Mais non, mais n'y va pas non plus. Tu vas là, alors. D'accord, j'ai pas eu le temps de bouger, faire quoi que ce soit. J'en ai marre de crever, sérieux. Ce putain de piège de merde. Toi, tu te soignes direct. Parce que j'ai quand même pas mal besoin de toi. Putain! Putain, c'est chaud. Non. Putain, allez. Suivant, allez. Le type est terminé. Oh là 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 là.
Non, on se barre, on se barre, on se barre. Mais non. Putain. C'est qui fait ça? C'est Sabaras là ou je sais pas quoi? Ah la misère. Oh putain. Ah il est pas mal le fond là. Nécessaire de soins, de base. Ah d'accord, ok, j'avais pas vu. Non, mais Kanye va mourir. Putain, mais merde. J'étais coincé à cause des connards là. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, j'ai déjà trouvé, c'est toi. C'est toi qui va cacher. Vas-y, ta gueule. Il est où ça, Berras là? Faut absolument que je trouve ce qu'on a. Vas-y, on s'en fout, on s'en fout. Déjà, on a compris que... Où était le pièce? Oh putain, je vais crever. Bah, tu fais du soin là, on a dit. Et toi, tu bois. Bon, t'es toute seule. Super. Toi, il n'y a pas le choix, faut que toi tu meurs. D'accord, Aveline, allez, crève, sacle. Non, Aveline, elle va mourir. Anna. Bon. Ah, C'est chaud. Bon, on a compris. Déjà, Camille va au désamorçage. Les deux mages vont taper à Ouroboros, là. Ok. Camille, tu désamorces. Toi... Tu défonces lui, tu ne réfléchis pas, tu défonces lui aussi. Camille, allez vas-y, désamorce-moi ça. Camille, désamorce-moi ça. Ok. Ça, c'est deux choses de fait. Donc là, il a déjà des pops, c'est parti. Ok. Il est arrivé où? Il est arrivé là. Merde, les mages. Direct. Tout le monde dessus, tout simplement. Voilà. Est-ce que lui, il me gave de sévère. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bon. On va plus se faire défoncer. Stratégie de ouf, mais on va gagner. Ça y est, c'est la bonne, c'est la quatrième, quoi. Ah, sauf s'il y a encore un Saraboros là. Parce que les Sarabas, ils sont horribles, sérieux les mecs. Oh non, j'ai perdu Meryl. Non. C'est pas grave, on va aller voir Sten après. Du coup, j'ai besoin que tu mettes ça. Et tu me remets Meryl, s'il te plaît. Meryl. Tu me heal Meryl. Pendant ce temps-là, tu prends une popo. Et tu me pètes celui-là, bah, tout simplement. Voilà, t'étais de dos, c'était parfait. T'es ouf, tu vas t'occuper de Sten. Moi je m'occupe des filles. Oh tu vas le finir tout seul, c'est bon, ok. Ah c'est pas assez. Donc tu vas pas te prendre de marque de la mort, mais on va l'assassiner. Ok. 1080 d'XP. Ouais. C'était ouf. Bon, comment ça j'ai galéré? C'est pas vrai. Bon, on aura vu toutes les étapes. Hein. Oh merde, j'ai pas vu ce que j'avais récupéré. C'était pas mal. Meryl, faut que je te heal aussi. Toi, le Sarebas. Je te hais, mec. Je te hais. Je veux juste un F5 au cas où il m'arrive une merde avant.
Attention, il y a un cadavre. Un anneau. Ok. Faut aller là-bas. On va voir ça pour le prochain épisode. Mais on va juste avant se faire les niveaux. Quand même, avant de partir. On va augmenter. Dextru, c'est très bien. Du coup, en l'assassin, on est bien. On a quasiment tout. Marque de la mort. Persistante, ça dure plus longtemps. Et l'ennemi tape moins fort. Ouais, je vais mettre la marque de la mort. Je commence à m'en servir. Tu vas mettre... Voilà, on est pas mal. Tu vas tanker un peu plus. T'es super, franchement, elle est terrible. Du coup, garde du corps, c'est très bien. Toi, tu vas augmenter ta magie, ta volonté. On est très bien. Et tu vas m'augmenter... C'était ça, on a dit, hein, le jet de pierre. On passe dessous. Et ça, c'est quoi? Sang de la première. Consomme la mana. Ah, mais là, c'est du mana. Nécessite sang de la première. Armure de l'ennemi temporairement à 0%. Ok, on va verra après. On mettra après. On va monter ça. On a tout fait. On fait la sauvegarde. Je vous donne rendez-vous donc pour l'épisode 59. Ouah, un truc de ouf. Ça va être chaud. Allez, ciao tout le monde. Ouss.